Tunisie qui se met en place. Mais voilà quoi, il y a des acteurs qui se mettent en place, il y a des investisseurs qui s'intéressent à ça, il y a des bureaux de conseil qui commencent à s'intéresser à ça, et je suis sûr que tout au long du panel, vous allez découvrir un monde qui n'est pas juste un jeu qui est mis en ligne, où il y a des gamers, c'est des jeunes mâles boutonneux avec des lunettes qui sont en train de jouer, mais bien plus différent, bien plus intéressant, et surtout c'est un marché qui nous est accessible. L'investissement n'est pas une usine pour faire des microprocesseurs, on n'est pas en train de faire des avions. C'est tout aussi complexe, mais par contre, c'est beaucoup plus accessible à faire et à développer. Donc, le programme le plus complexe à réaliser. Le software le plus compliqué au monde, c'est le jeu vidéo, parce qu'en plus, s'il y a une composante, c'est que quand on fait une appli ou un site web, elle a tout un ERP. On lui demande de fonctionner. 1 plus 1 égale 2. Le jeu vidéo, il peut être sans bug, il peut marcher à 100%, etc. Mais il y a une chose spécifique qui est vraiment qu'il faut mettre en place, c'est la magie. Qu'est-ce qui va faire qu'un jeu vidéo, c'est comme un film. Il y a un film dans lequel on peut dépenser 100 millions de dollars en effet spéciaux, en Brad Pitt, Angelina Jolie, etc. Et après, si la sauce ne prend pas, et c'est là tout le challenge aussi des créateurs de jeux comme ça l'année dernière. Ce qu'on fait, vu qu'il n'y a pas encore, je vais dire, des formations qualifiantes, et tous ceux qui sont en train de faire de la formation, ne prenez pas, s'il vous plaît. Madame Shelby, c'est une des pionnières à faire ça. Kiff. On a pris 50 personnes, on a gardé un. Parce que sur tout le process de formation, de montée en compétences, etc., l'industrie, c'est une industrie c'est un enfer. Il faut le dire, les gens ils viennent, ils croient ils vont passer la journée à jouer du jeu vidéo. Alors que des fois, ils peuvent passer 6 mois juste d'avoir un écran noir et du code blanc pour enfin voir quelque chose qui vient derrière. Bon, ça, c'est l'aspect rôti. Donc, mais ça, c'est de l'argent que nous, on est en train de dépenser. C'est de l'énergie qu'on est en train de mettre en place. Et donc, l'équipe principale qui est en train de former ces gens-là, elle est en train de perdre du temps sur les temps de formation. Du moins, ça, c'est quelque chose qu'il nous faut très, très vite. Mais aussi, de l'autre côté, il y a une sorte d'accès au marché qui n'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut pas créer un compte sur Google Play. Bon, on est en train de rabâcher. Là, c'est la même problématique qui existe depuis plus de 3 ans, 4 ans maintenant. On peut créer le jeu magnifique. Bon, nous, notre spécialité, c'est le social gaming. On est sur du casual gaming, on est sur du mobile, on est sur Facebook, on est sur de l'hyper social. Donc, on fait des jeux vraiment très, très light, un peu ce que vous venez peut-être à la Candy Crush. Voilà, si je peux vous donner un exemple qui peut ressembler à ça. Et donc, vraiment, il faut de la formation qui va aller dans ce sens. Ce qu'on fait, on a deux modèles économiques. Le premier, c'est faire nos propres produits. C'est notre, c'est la chose à laquelle on espère le plus. Mais ça, c'est très compliqué. Il y a 700 jeux qui sont publiés par jour sur les stores. Et chaque jeu dit qu'il est unique. Donc après, c'est une question aussi de gros moyens, de publicité, de communication, de stratégie, etc. Il faut se différencier. C'est ce qu'on arrive maintenant, on commence à plus ou moins savoir le faire. Mais de l'autre côté, on a un modèle économique qui est le service. On a travaillé avec tous les opérateurs téléphoniques sur la partie événementielle, mais aussi sur la partie développement de contenu. Comment créer de la valeur ajoutée sur les réseaux qui sont aujourd'hui saturés? On l'a dit tout à l'heure, il y a de la consommation de data qui se met en place, pratiquement au Facebook, pratiquement au Google, pratiquement au YouTube. Donc il faut vraiment créer quelque chose d'autre qui va avec. Donc ça aujourd'hui, c'est notre positionnement. Et je rebondis très très vite sur l'international aussi, parce que nous aussi on était à l'événement de la GDC, et je peux vous dire, c'est que vraiment, en termes de technologie, en termes d'art, on n'a rien pas à avoir honte de ce qu'on est en train de faire. On a vu, nous on se baladait, notre spécialité maintenant c'est la réalité virtuelle. On était avec le casque de réalité virtuelle, on allait dans des stands de spécialistes de réalité virtuelle, juste pour avoir leur feedback. Les gars, ils étaient là en mode, waouh, ok, regardez, je tourne un fil d'équipe, on a peut-être deux graphistes et un développeur qui ont réussi à faire ça, pas des choix. 2 mois. Ils disent, voilà, Clément, bien sûr. Et on a donc de la qualité qui se met en place. Il faut pas, mais on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas le même accès à la technologie. Pour avoir un Oculus Rift aujourd'hui et développer de nouvelles solutions pour bien se placer, bon, ils ont le shipping sur place, ils peuvent l'avoir. Et ils ont dit ça, non, je t'ai fait.